Aujourd'hui, c'est le tour d'Hélène à Antibes, dans le 06. Hélène, elle a déjà vu sa piscine arriver devant chez elle. Du coup, le camion n'a pas pu livrer avec la grue comme on fait d'habitude. Et ce matin, on est parti à l'aventure avec Thierry, Yannick, pour la livraison d'Hélène. Donc, on est parti avec notre petit camion, la remorque. J'ai trouvé un terrassier qui sera sur place pour nous aider à la lever. Alors, très clairement, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est pas facile chez elle. Mais voilà, le reportage va être sympa. Allez, Santi, je l'ai fait avec une facilité. Ben, on est arrivé, il y a eu un accident grave sur l'autoroute, donc du coup on a été bloqué une heure. La livraison que je pensais compliquée, déjà la première partie, ça s'est bien géré parce qu'on a trouvé un mec en dépannage comme ça. Un terrassier d'ici top du top qui nous a tout dépatouillé. Donc là on a mis la piscine chez la cliente. Et il y a un autre camion, un pote du mec qui nous dépanne va arriver. Et avec un bras un petit peu plus long, on va lever la piscine, on va la tourner parce que les marches sont dans l'autre sens. On va prendre des bastins, des bouts de bois et on va la faire glisser. C'est chouette Antibes, mais je préfère le Cap d'Agde. Opération, on va faire glisser la piscine. Vous allez voir, regardez. C'est un truc un peu particulier aujourd'hui. Ah lui, il va maintenir là-bas. Et nous ici on l'a. On les angles là. On va pas sauter de la poche là. Mais tu repasses, Zane. Non, on la remet. Papa, on va faire 50 cm là au moins. Maintenant, on descend doucement. Allez, il y a du vélo. Allez, on le blâme. Vous avez vu ce qu'on a fait,
c'est un peu barjot. Parce que ça, il n'y en a pas beaucoup, je vous promets, qui auraient fait ça. On l'a trouvé ce matin. Il nous a tout dépatouillé, Sergio. Il est dans le trou. On va filmer la piscine. Elle est là. Aujourd'hui, c'était du sport. Ce que vous avez vu, c'est pas commun. On a posé la piscine à la main. Ce matin, on est parti avec notre remorque. Je ne savais pas comment on allait poser la piscine. Tout s'est super bien goupillé. Et au final, piscine posée à la main. Belle rencontre, plein d'opportunités. Donc voilà, un peu fatigué. La prochaine fois, on ira faire le reportage vidéo chez Christophe, en petite Camargue, un petit village qui s'appelle Le Quélard. Et ça va être sympa. Là, c'est une grande piscine, on se part 3. Allez, bye bye.